Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour une carte sketch. Alors, je vous montre. Le sketch est celui-ci. Alors, il n'y a pas de mesure, donc je vais faire des mesures un peu en fonction. Parce qu'en fait, il faut un ovale, et en ovale, je n'ai trouvé que dans ce dies. Je n'ai rien d'autre. Donc, je pense que. Ouais, en fait, normalement, c'est un normal. J'ai peur que ma carte soit un peu petite si j'utilise celui-là. Bon, après, on peut aussi faire des petites cartes, hein, vous me direz. Alors, désolé pour le bruit. Je n'ai pas encore trouvé de système de rangement pour ces grandes dies. Et je n'ai pas racheté de papier aimanté. Et ben, ça ne veut pas sortir. C'est collé sur les côtés. Ouais, donc en fait, j'aurais bien aimé utiliser le plus grand. Mais le problème, c'est qu'il est dentelé. Et sur l'image, il n'est pas dentelé. Tant pis, je vais faire avec le petit. On va essayer de faire quelque chose quand même. Donc, mon dies mesure. Il mesure, on va dire 7,2 à la coupe, à peu près 7,2. Donc, on va essayer de se prendre un papier. Alors, j'ai décidé d'utiliser ce bloc de chez Action. Je vais essayer d'utiliser un peu mes chutes. Et si je vois que ça ne va pas, j'utiliserai le reste. Alors, je ne voudrais pas un papier trop criard. Si je fais. Oui, ça peut le faire. Et là, j'ai presque 10,5. On va faire 10,5 sur 10,5. Et du coup, on va se prendre une base de cartes. J'ai envie de le faire sur du craft, ça va changer. Alors, est-ce que j'ai une chute de craft quelque part? Hop, j'en ai une ici. Donc, on va faire une carte de 11 sur 11. Ça va faire une petite carte, mais après tout, pourquoi pas. Après, on peut la faire double si on le veut, si on le souhaite. Donc, 11 sur 11. Voilà. Et voilà. Donc ça et ça. Ensuite, il nous faut une bande qui va venir ici, qui fait à peu près la hauteur, qui fait la hauteur de notre ovale. Donc, j'ai envie de d'utiliser pareil du craft, et on a dit que ça faisait 7,2, donc je vais mettre à peu près hein, 7,2, et je vais faire sur 3. Voilà, ça va faire tout petit, c'est une petite carte. Ensuite, je vais tout de suite découper mon ovale, et je viendrai faire l'autre morceau après. Alors, mon ovale, j'ai choisi de prendre. J'espère que ça va le faire. D'ailleurs, je n'ai pas mesuré. Ouais. Ça va. Ça y va. Vous voyez, quand on a des étiquettes comme ça. Hop, je me rapproche. Quand on a des étiquettes comme ça et qu'on ne sait pas forcément comment les utiliser, hop,
vous faites une petite carte et vous faites votre découpe dedans. Donc, qu'est-ce que j'en ai en début de bloc? Voilà. Ah ben, je suis allée à la fin du bloc, tant pis. C'est pas grave. Donc, je mets ça de côté. Je viens me découper mon étiquette que je veux. Et voilà, donc je me sélectionne mon étiquette. Alors, mon massicot. Madame, je ne sais pas ce qu'elle a. Est-ce que c'est le premier papier que j'ai coupé qui l'a abîmé? J'en sais rien, elle est pourtant neuve. Mais voilà, j'ai des bouloges de partout. Mais vu que je vais venir découper avec mon dies, c'est pas grave. Donc, je viens prendre ma machine de découpe. J'essaie de me mettre à plat. Et tout simplement, je vais venir poser comme je le souhaite. Je suis pas obligée. Simplement, je viens découper j'ai pas mis mes plaques dedans et j'obtiens mon ovale. Déjà ça, alors ensuite ça va déjà me donner ça, ça et mon ovale qui va venir ici. Ensuite j'aurais peut-être pu prendre un papier plus coloré pour l'arrière. Et du coup celui-ci est... Après je m'en fais plus. Si j'utilise celui-ci. Ouais, je change d'avis, je vais utiliser celui-ci. Donc j'ai pris 10,5 par 10,5. Donc 10,5 par 10,5. Vous voyez, des fois je change d'avis en cours de création parce qu'au final je me rends compte que les couleurs ça va pas. Donc du coup bah voilà, on change. Hein. Et puis cette partie là on peut l'utiliser pour faire une autre carte, soit la même, soit une autre. Mais voilà, dans tous les cas dans le scrap il n'y a pas de gaspillage ou très peu. Bon, après, j'avoue que les toutes petites chutes, des fois, je garde un petit peu. Comme là, je ne sais pas si vous avez vu quand j'ai ouvert ma pochette avec les chutes, j'en ai gardé des toutes petites au cas où. Mais voilà, si vraiment je les utilise pas, après, voilà, je les conserve pas non plus. Donc, on a ceci. Ceci. Comme ça, et donc du coup il nous faut encore un morceau qui va venir ici, une petite bande, et celle-ci je vais venir la faire comment,
J'ai bien envie de prendre un papier univers. Alors. J'ai ce bloc. Est-ce que j'ai un verre qui pourrait le faire? Ça fait plus bleu que vert, j'ai l'impression. C'est pareil. Allez, on va partir sur du plus foncé pour que ça coupe bien. Celui-ci me va bien. Et donc là, je vais essayer de me prendre une petite mesure pour voir à peu près ce que je souhaite. Je vais prendre... Je vais prendre 9 cm. 9 cm sur... Je vais faire sur 1,5. Alors par contre, vous voyez, ma lame, ce papier-là, elle n'a pas bouloché. Je pense que c'est les nouveaux blocs de chez Action, c'est... Ouais, je sais pas. Mais celui-là, il n'a pas bouloché. Alors, on a dit 9 cm. Ouais, je sais pas. Là, je comprends pas. Bref, c'est pas grave. Donc si je fais ça, en fait j'aurais dû prendre 9,5 peut-être. Alors attendez, je me replace. Et donc ça, ça vient là-dessous. Ouais, j'aurais dû même peut-être dû prendre 10. C'est pas grave, il me reste un morceau là. Je vais essayer avec 10 et si ça va pas, je couperai à 9,5. Hop. Non, 9,5. Donc je recoupe 1,5 cm. Hop, voilà. Donc voilà déjà pour ça. On va déjà coller tout ça. Et là j'ai voulu changer un peu de couleur. C'est vrai que je scrape souvent les mêmes couleurs. Je me suis dit je vais changer un petit peu, retourner un peu dans le vert. C'est pas une couleur que j'aime, mais quand c'est du vert assez doux comme ça, ça va. Ensuite je viens coller mon morceau de craft. Alors là vous pouvez y mettre du papier déco hein. Moi j'ai mis, je suis restée dans le craft, mais par contre il n'est pas très très haut, mon. C'est pas grave. En fait, je m'adapte un petit peu du coup à mon ovale, mais du coup, ça correspond pas trop aux bordures en fait qui restent sur l'image. Mais bon, après, on n'est pas non plus au millimètre. Hein. J'ai ma poupée qui est en train de se réveiller. Depuis 2-3 jours là, elle tousse quand elle dort. Mais pourtant la journée, elle ne tousse pas du tout. Et du coup, ben, ça la réveille. Donc ça, je vais venir le mettre ici. Et ça, ça va venir ici. Bon, on est à peu près. Bon, après, je peux pas non plus faire une carte trop petite.
je me centre. Ensuite, ici on a trois petits ronds, donc soit vous prenez une petite perfo, vous coupez des ronds dans un papier, vous les collez ici, ou moi je vais regarder dans mes demi-perles ce que j'ai. Là j'en ai comme ça, est-ce que ça irait? Non, ça fait bleu. Ça fait bleu. Après j'ai quoi? Là c'est orange, ça va pas aller. J'ai pas grand chose en couleur. Je vais rester dans le blanc. Hein. Et donc je vais mettre lesquels? Si je mets trois grosses, ouais. Je vais mettre trois grosses. Donc, ma petite pince, où es-tu passée? Elle est ici. Hop. Une ici, sachant que la carte est petite, ça amène un peu de volume justement. Et voilà pour la troisième. Ensuite, ici, on a des petites fleurs. Alors, il va vraiment falloir du tout petit. Sauf que en tout petit, je n'ai rien. Je n'ai que ma perfo, qui va encore être un peu grosse, je pense. Écoutez, on va essayer, hein. Comment va-t-on les faire, ces petites fleurs? Est-ce qu'on les ferait pas en craft? Alors, j'ai peur que mon papier soit trop épais. Non, ça a l'air d'aller. Alors, je retire juste, j'ouvre juste ça. Parce que sinon, je ne vois rien. Alors celle-ci, je crois que c'en est une qui vient de chez Action. Je vais y arriver. Du moins, j'espère. Donc voilà, trois petites fleurs sur lesquelles on peut ajouter un petit strass. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Ça va être un peu gros. Et non. Et non, on va rester dans les mêmes strass du coup. Si je mets mes petites fleurs. Donc j'en ai une en bas. Normalement c'est trois tailles différentes. Mais bon. On va pas être trop gourmand. Déjà j'ai réussi à trouver des fleurs qui font à peu près l'affaire. Allez. Je vais venir les coller donc ici. Ici. Ma petite bande là, j'aurais peut-être pu la faire un petit peu plus large. Donc, si vous voulez la faire à 2 cm, je pense que ça peut être jouable. Ah,
Ah, puis cette colle, elle fait des fils. Hop, une fleur ici. Dessus, on va venir y mettre des petits strass. C'est plus des demi-perles que des strass. Elle est en forme. Et pourtant, elle s'est endormie après son frère. Je sais pas si vous l'entendez, elle discute. Bon, donc voilà pour ça. Ensuite. On va peut-être essayer de trouver un petit sentiment, si j'ai un petit dans le coin. C'est un petit format, mais franchement, ça ne me dérange pas. Et après, on peut peut-être la réagrandir en rematant sur un papier comme celui-là, ou sur un papier uni. Vous voyez, faire un double matage. Je pense que c'est ce que... double même, voire triple matage. On va essayer après. J'ai encore un petit peu de temps avant d'aller à l'école. Puis bon, ma chipie, elle discute, mais voilà, elle est pas... Et je viendrais bien mettre ici, juste sur mon étiquette là, juste le mot tendresse. Ouais. En plus, ça va nickel avec... avec l'étiquette verte là. Bon, ils ont pas mis de sentiment, il y a juste une signature là en bas, mais après voilà, avec les sketchs on fait ce qu'on veut. Hein. Une fois de plus, dans le scrap, il n'y a aucune règle. C'est l'éclate, on va dire. On s'éclate, on ne se prend pas la tête. C'est un moment de plaisir. Et en parlant de plaisir, franchement, merci à toutes hein, pour tous vos commentaires. Je dis toutes parce que pour l'instant, je n'ai pas de commentaires d'hommes. Mais merci vraiment à toutes pour tous vos gentils commentaires. C'est vraiment adorable. Entendre dire certaines que regarder mes vidéos pardon, leur fait du bien, ça me fait mais un plaisir immense quoi. Je suis tellement heureuse que mes vidéos servent à quelque chose. Et voilà, c'est avoir des commentaires comme cela, ça me touche beaucoup. Donc là, j'étais dans mes paroles, mais je vais vous donner les mesures. Du coup, j'ai pris 11,5 par 11,5. Je coupe mes boulaches. Et du coup, ensuite, alors je referme juste ma boîte de sentiments parce que là ça commence à être le bazar partout. Alors, un papier craft. Je vais regarder là-dedans si j'en ai pas un qui traîne. Hop, j'en ai un là. Et donc là, je vais faire 12 sur 12. 12 sur 12. Hop. J'espère que je me suis pas trompée. Je vérifie juste. Ah, ça fait pas mal. Ça donne l'impression que ça fait en profondeur. J'aime bien. J'aime beaucoup. Après, voilà, il n'y a que un matage sur le sketch. Mais voilà. Après, on s'amuse. On fait comme on le sent.
Là, vous allez voir, une fois collé, je trouve que ça donne de la profondeur à la carte et ça fait joli. Et du coup, ça la ragrandit. Ça fait une carte de 12 sur 12 au lieu de 11 sur 11. Et là, pour le coup, notre carte, elle va tenir la route parce que il va y avoir de l'épaisseur entre le papier craft de chez Action qui est très très épais et les papiers déco, les deux couches de papier déco. Là, notre carte, elle va tenir la route. Et vous allez voir, le rendu, j'aime beaucoup. C'est simple et... Alors, je mets bien droit hein, avant de vous montrer. Et voilà, le rendu de la petite carte, simple et bon, je sais pas si le rendu est pareil. Alors attendez, je rééteins cette lumière. Voilà, le rendu est un petit peu mieux comme ça. Mais ça donne de la profondeur, je trouve, à la carte. Et j'aime bien, j'aime bien. En plus, tendresse avec les petits galets, voilà. Hein, j'aurais eu un petit zen, j'aurais pu le mettre, mais je ne l'ai pas. Il va falloir que je me refasse des petites citations, des petits sentiments à l'ordinateur quand j'aurai un petit peu de temps. Bon, là, j'en ai déjà pas mal, mais c'est beaucoup répétitif ce que j'ai, c'est pour ça. Mais voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser ici parce que, comme vous avez pu entendre, j'ai ma poupée qui m'appelle. J'ai ma poupée qui se réveille et je ne vais pas la laisser longtemps dans son lit. Et ben, j'espère que cette petite carte vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous !